Ils veulent qu'on se taise. Ils veulent qu'on ne parle pas. Ils veulent qu'on reste calme. Mais ils savent que c'est le silence-là qui nous tue. C'est ce silence qui nous amène dans l'oubli et qui nous fait accepter en fait certaines choses qui ne sont pas acceptables. Étant donné que on a des talents dans le domaine de la comédie, on a vu des enfants faire des films comme Les Lascars. Où en sont-ils aujourd'hui? Qu'en est-il devenu du projet Les Lascars? Ils avaient le talent. C'était même les précurseurs même du cinéma camerounais, je veux dire du cinéma action camerounais. Ils nous ont fait rire, ils nous ont fait rêver. Babylone. Mais aujourd'hui, ils sont où? Non, c'est pas que l'inspiration est finie. C'est pas que le talent est fini. C'est juste qu'ils n'ont pas adhéré. Demandez à Planète Saint-Ladin, ils n'ont pas adhéré. De cette tanière, on est sorti des talents comme Mana, le dieu. Un superbe dieu qui a valorisé une langue vernaculaire camerounaise qui continue à la valoriser jusqu'à aujourd'hui. Mais que personne n'accompagne. Qu'aucun système ne va accompagner. Que même les répartitions, quand on donne les répartitions, on ne les donne pas pour eux parce qu'eux, on ne les considère pas comme artistes, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas cédé. Aujourd'hui, d'aucuns sont même à se dire, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine? Mais, on va vous chauffer les oreilles avec para, pari, para, para, para. On va vous chauffer les oreilles avec, oh, tu as vu la nouvelle vidéo de Maman Jackie. Tu as vu la vidéo de Madame Chantal. Et donc, quand je dois regarder les Lascars, quand je regardais les Lascars, ce qui doit suivre un tel talent, c'est Madame Chantal. Soyons sérieux.